Ouais, survivant! Bienvenue sur VLFR.gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur nos nouveaux 7 spectacles statues. Merci à Zaza qui va nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a deux nouveaux sets. On a le nouveau set Pharaon Domination et le Stellar Waltz. Je sais pas comment on prononce ça. Stellar Waltz. Aujourd'hui, on est là pour le Pharaon Domination. Vous avez le gros bâtiment principal et toutes les petites statues à monter. C'est vraiment intéressant. Écoutez-moi, les formations Pharaon Dominion et tous les autres sets vous apportent énormément. Mais ce qui vous apporte surtout, c'est les skills passifs. Là, on va le voir tout de suite grâce à Zaza qui nous a montré un petit peu tout ce qu'elle a déjà. C'est pas encore maxé. Elle est qu'au niveau 7, comme vous le voyez en haut. Le skill Damage Réduction est juste énorme. Tous les 20 tours, il va apporter 14,85% de réduction de dommages pendant 10 tours. Ça veut dire que là, vous êtes sur un effet qui va prendre 30 tours. Vous allez pouvoir l'activer deux fois lors d'une bataille. Et en plus de tout ça, vous avez toute l'amélioration combat moral. Plus 0,10% à chaque niveau. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, plus 0,10. Mais plus 0,10, et encore, et encore, et encore. Au bout d'un moment, vous allez prendre des 1, 2, 3%. Mais ils sont déjà à plus de 1300, 1500% combat moral. Donc c'est des 15, 20 de combat moral qui vont récupérer en plus. Et ça va faire la différence lors des combats. Donc les spectacles statues sont vraiment importants. En plus de tout ça, vous avez toutes les petites statues qui vont vous apporter santé, létalité et attaque, défense, bien évidemment. En plus de tout ça, je vous spoil, vous avez l'animation aussi du pharaon. Elle a rien de magnifique. Vous avez les 5 statues violettes, bleues, vertes, rouges et dorées qui vont s'illuminer et vous allez avoir l'aigle qui va tourner tout autour. C'est un peu moins fun, mais ça reste une décoration animée, donc c'est cool. Voilà pour notre petit spectacle. Vous pouvez récupérer les statues absolument où vous voulez. Il y en a partout. Ils en donnent dans tous les shops. Vous pouvez en prendre avec les perles. Le Jungle Gem est une activité à ne pas louper et très 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 intéressante et rentable. Vous récupérez votre argent à coup sûr. Zaza nous a fait une vidéo vraiment détaillée, je vous la balance bientôt. Et dans cette activité, elle a permis de monter toutes ces statues. Donc voilà, j'espère que cette première petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je vienne vous brûler. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao survivants.